Monsieur Justin Tshiswabantou, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fitta. Il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés ici à Genève, alors qu'on se battait pour le changement au pays. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que vous êtes devenu? Je suis devenu acteur politique. Il est vrai que non, vous m'avez connu comme combattant, comme militant. Et vous êtes mieux placé, je profite de votre micro, de passage ici à Genève pour la 1e fois. Donc, vous vous rappelez bien que non, on se battait pour exactement le changement au Congo. Alors, ce changement, il y a eu ce changement, il y a eu les élections, il y a eu le président élu. Donc voilà, raison pour laquelle je me suis converti. J'ai quitté la casquette de combattant, je suis devenu maintenant acteur politique. Donc voilà, désormais, M. Cheikh Fitta, sachez que nous, vous avez devant vous un homme politique. Monsieur Tshiswabantou, donc vous dites que vous êtes maintenant en politique. Autrement dit, vous avez créé un parti politique. Tout à fait, j'ai créé l'Union du Peuple pour le Progrès National, mon parti politique, dont je suis moi-même président fondateur. Donc ce parti prône le changement. Renouvellement de la classe politique congolaise, bien sûr. Alors voilà, nous sommes là. Nous nous sommes lancés sur cette scène compliquée, scène politique, et surtout pour un pays qui sort vraiment du chaos. Donc voilà, raison pour laquelle ma façon de servir autrement ce pays, depuis que vous m'avez connu, donc voilà, aujourd'hui je suis un homme politique. Donc c'est une raison de plus pour pouvoir me lancer et puis servir mon peuple, le peuple congolais. Monsieur Tshiswabantou, vous savez qu'un parti politique, c'est lourd. Un, il faut beaucoup de moyens. Deux, il faut beaucoup de gens. Trois, il faut aussi une idéologie. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous dites? L'idéologie, exactement, elle est là. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Donc, je demande à tous les jusqu'au boutistes de pouvoir quand même s'adhérer dans ce nouveau parti. Et par rapport à votre question de savoir qui nous faut le moyen, le premier moyen que moi j'ai, c'est la volonté. Cette volonté de pouvoir servir autrement le Congolais, donc ça me donne vraiment la motivation. Alors il faut des gens, effectivement, M. Cheikh Fitta, je profite de votre micro, vous me connaissez plus que quiconque dans ce pays, ici en Europe, voilà, donc vous êtes mieux placé pour le dire aussi. Sur votre site, sur votre chaîne, que non, bon, voilà, Justin, il ne sort pas du néant. Donc, je suis le fruit d'un combat, d'un véritable combat. Alors, M. Cheikh Fitta, je vais vous dire que non, à moins de deux ans, ce parti, l'Union du Peuple pour le Progrès National, l'UPPN, mon parti, dont je suis président fondateur, est déjà installé dans plus ou moins, je donne la précision. Ce parti est installé dans 14 provinces sur 26 que compte la RDC. Donc vous vous rendrez vraiment compte que non, bon voilà, les gens qui ont cru à moi, qui ont cru dans mon combat, donc tous ces membres-là, tous les Congolais qui sont éparpillés à travers la RDC ont cru à moi. Donc je ne les décevrai jamais. Je serai là pour répondre à leur vraiment volonté. Quelles sont vos ambitions pour les prochaines séances? Parce qu'on sait qu'en 2023, il y aura des élections. Nous les souhaitons à tous les niveaux. Quand on crée un parti politique, c'est pour accéder à tous les niveaux. Au niveau national, nous avons des ambitions et je donne vraiment confiance au cadre de l'UPPN, mon parti, à ceux-là qui ont accepté de s'adhérer dans ce parti, un nouveau parti avec une nouvelle vision, de pouvoir apporter un changement dans ce pays-là, d'être vraiment aux aguets. Donc nous sommes vraiment tous des ambitieux. J'aimerais vraiment amener ce pays à un autre niveau mondial. C'est-à-dire que non, voilà, ceux-là qui se sont engagés dans l'UPPN ne seront jamais déçus. Il y aura des députés partout, il y aura des cadres vraiment engagés à tous les niveaux. Voilà au moins ce que je peux dire. Donc voilà, nous sommes vraiment ambitieux. Ok, et le dernier mot? Le dernier mot, c'est le message que je lance vraiment à tous les cadres de mon parti, à tous les membres, à tous les fédéraux et les interfédéraux de l'UPPN. Partout où vous êtes, c'est vraiment votre leader qui vous parle aujourd'hui.
à partir de Genève. Donc voilà, je suis déjà en train de me préparer pour descendre, pour être à vos côtés, pour combattre moi sur le terrain et pour vraiment habiller nos ambitions, les ambitions de pouvoir quand même accéder aux responsabilités politiques, bien sûr. Donc soyons tous unis autour de jusqu'au boutisme. Les interfédéraux, les fédéraux et toute la base de mon parti, d'être vraiment attentifs et surtout de se conformer à notre idéologie. J'ai dit aussi un petit message, je lance un petit message à notre CG qui est Yasser Zungula, le secrétaire général, les poumons de notre parti, de pouvoir quand même coordonner toutes les activités du parti jusqu'à ce que j'arrive. J'arrive bientôt, donc voilà. Chaque FITA, c'est une grande chaîne. Chaque FITA, c'est un miroir de notre média, ici en Europe. Donc voilà, je vous annonce mon retour au pays. Donc très très bientôt là, je serai avec vous. Merci beaucoup.